Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on continue l'épisode 3 d'Uncharted Lost Legacy. On s'avait arrêté ici. L'épisode avait à peu près duré 24 minutes, moins long que l'autre. Mais c'est pas grave. Je vais faire des vidéos plus longues puis tout ça. Bon, on va commencer là. On était en train de monter la tour, je pense. Puis là. Ouais, on était en train de monter la tour. Yup, yup, yup. Quoi pour monter, hein? Nos trois symboles. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. L'arc de Parashurama. Et hop. Dirigé droit vers ces ruines Oysala. C'est une vieille forteresse en plein milieu du lac. Je noterai un arc sur la carte à cet endroit. Voyons ce que cache la porte de l'arche. Encore une vieille forteresse. Au creux de la montagne. Je vais l'indiquer sur la carte. Mais les graphismes, ils sont trop beaux. Il fallait que je le dise. Je me demande ce que c'est. Je note pour plus tard. En fait, elle expose un chose sur sa carte. Et la dernière, la porte. Et encore une vieille forteresse, juste au-dessus des chutes d'eau. Je vais le noter avec un trident. Ok. Oh. Avant de monter, j'aurais dû vérifier s'il y avait un autre endroit. On fait du sport et on saute et on saute. Mais c'est quoi ça, votre femme? Alors, ça valait le coup de grimper? Et comment? J'ai trouvé les trois symboles. Vraiment? Ouais. Chacun était dirigé vers une forteresse différente. C'est sûrement là qu'il faut aller. Nickel. Ben voilà dans le fond. Ow. Je me suis écrasé comme une merde. Oh, c'est beau. Oups. Mais ah, je suis coincé. Ah, mais ça fait chier ça. Ah, elle est juste là la fontaine. Bah là, la tour. Il doit y avoir d'autres gars là-bas. Ce motif
circulaire est intéressant. Comme ça, les disques. Regarde ça, le trident de Ganesh. Ça correspond au symbole dans la tour. Ganesh, le destructeur des obstacles. Le portail est sécurisé? Pas encore. On attend Cobra 8. Il y a quelqu'un en haut de la tour. Faut que je m'occupe de lui d'en haut. Hein? T'as eu? Chut, mon toutou. Putain! Ah merde, je viens de lancer. Il reste qui encore? C'était le dernier, je crois. J'espère que c'est le dernier. Pour une chasseuse de trésors irresponsable. Ok, et si on allait essayer d'ouvrir cette porte? Oh, ben, non. C'était quoi cet endroit? Difficile à dire. Une forteresse? Ça a pas la forme d'un temple. Oh, ça y est. C'est pas comme ça. Ni comme ça. Comment ça marche?
pas quoi? Un bouton t'appuie? Je sais, je voulais juste te laisser trouver toute seule. C'est incroyable. C'est quoi ça? J'aime bien ce bruit. L'un des rayons de la roue vient de tourner. Ah. Les verrous se rétractent quand je tourne les roues. Ça doit en faire 5 au total. Plus que 4. Oh non! Et c'est parti pour trouver des cercles. N'a pas eu ça. Ah, je pense qu'il s'en est tout. Non. Bah, je vais vérifier. Non. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 2. Faut aller là-bas. Non, on n'a pas d'or. Ça aurait pu être une bonne planque, ça. Par là, on se fait attaquer. Ah, je savais. Voilà. Ok, plus qu'une. Une. Où je me cacherais si je serais une là. Non. Là. Et ouais. Et la petite dernière. Ça devrait le faire. Ok, on retourne au gros machin rond. Le gros machin rond? Ouais, enfin, je connais pas vraiment le terme archéologique. Ça. Le gros machin rond, ça me va. Le gros machin rond. Ici? Ça, tu peux le dire. C'est pas vrai. Il va falloir passer dessous. Tu l'as dit. C'est quoi tiens, ça? Tiens. Qui l'eût cru? Je t'avais dit que c'était une clé. T'as gagné une image. À quoi ça peut servir? C'est quoi? Un puzzle ou une salle antique? Ah, ok, j'ai compris. Ah, évidemment, je fais un trident. Ah mais là c'est facile. C'est Ganesh. Bonjour monsieur. Maintenant. Maintenant on tourne le mécanisme et on voit ce qui se passe. Pas de danger. Il vaut mieux pas partir à la chasse au trésor si tu veux éviter le danger. Ni être mercenaire. La différence, c'est que si je dégoupille une grenade, je sais à quoi m'attendre. Alors, c'est pas marrant. T'as entendu? T'as senti? Ah oui, ma manette a bougé un maudit. Ma manette bouge beaucoup, je peux te dire. Je vois un énorme bas-relief gravé directement de cette montagne. Et toi, qui
Qui craignait qu'on meure après avoir tourné cette manivelle? Heureusement que j'ai une fille d'archéologue avec moi. T'as dû avoir une enfance géniale, non? Il y a eu de bons moments. J'ai beaucoup appris. L'Empire Oysala, c'était son truc. Mais ça lui prenait tout son temps. Moi, si je pars chercher un trésor, il faut que ça me rapporte. Normal. Je prends jamais de gros risques sans une bonne paye. J'imagine, oui. C'est comme gérer une armée. Grosse responsabilité. Une seconde nature. C'était l'entreprise de mon père. À sa retraite, j'ai repris le flambeau. Une affaire de famille. J'ai tout fait foirer. Mais tu dois le savoir. Toi et les frères Drake, vous êtes proches. On parlera de ça plus tard. Ok, et maintenant? Il y a le fort marqué d'une hache sur la montagne là-bas. Et ce fort marqué d'un arc dans le lac. J'aurais dû poser des questions sur les Drake avant d'accepter ce boulot. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je connais plutôt bien Nate. Sam beaucoup moins. Il est un peu sorti de lui, je peux dire. Sam, ok. Ça a été drôle. Une sortie. La dernière à la voiture, Pell Resto. J'ai des rations de survie. C'est pas marrante. Ok, y'en a plus. Pour de bon cette fois. Bien considéré. T'en es bien senti. Tout bien considéré. Je prends ça comme un éloge venant de toi. C'est le cas. Oh, un désertigueur. Ouch! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait le plein et la voiture est là-bas. Oui.
Juste pour info, Nathan Drake n'est plus de la partie. T'as plus à t'en occuper. J'avais mes doutes. Pourquoi avoir accepté mon offre? La cheval donnée, on ne regarde pas les dents. Surtout quand tout le monde veut me voir échouer. Je te comprends. Le côté positif, c'est... Il y a un côté positif? Bon, quand les gens ne s'attendent pas à grand-chose, c'est bien plus facile de les prendre par surprise. En ce qui me concerne, ce milieu est déjà bien assez difficile comme ça. Vous profitez des moindres avantages. Fraser, attends. Fraser, on va avoir de la compagnie devant. Bon, quand faut y aller. C'est terminé. La tourelle est en place. Putain, pourquoi t'as mis tout ce temps? Trouvez plus le manuel. Le manuel? C'est exactement ce que je disais. Cet équipement est obsolète. Il faut des vraies armes si on veut avoir l'air d'une vraie armée. Alors, dans la place qu'on aime, on aime ce qu'on a. Assad ne dit-il pas que le pauvre doit se soulever pour anéantir ses ennemis plutôt qu'être reconnaissant? Attention. Tout simplement la vérité. Pas la peine de vous cacher. Putain. Mes oreilles! Ah. Plus personne. Viens. Ouais. Mais plus personne, je fais plein de balles. Bon. Je reconnais pas ce truc. C'est pas l'un des trois symboles. Tu crois que ça en vaut la peine? Je dis jamais non à une occasion de se faire un peu de pognon. Ce mur a l'air fragile. Intéressant. Ça ressemble bien à une sorte de jeton Isala. C'est pas l'un de nos trois symboles. Après tout ça, t'as trouvé quelque chose? Une sorte de jeton. Un vieux truc Isala. On en a besoin? Besoin? Non. Envie, carrément. Besoin? Non. Envie, carrément. Toujours travaillé seul? Presque. T'avais quel âge quand t'as commencé? J'étais jeune. J'ai vite appris à laisser les gens croire qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient, pour que je puisse prendre le dessus. Trop subtil pour moi. J'ai toujours préféré l'approche directe. Bon, tant que ça fonctionne. Oups. Wow. Par où je peux passer maintenant? Par là. Ah, je vais à la bonne place. Oh, hello! Attends, on va voir si c'est vraiment elle. Non. Prochaine sortie à gauche.
Pour le reste, je me débrouille. C'est en plein ça. Comment je vais monter tout en haut? Pas quelque chose qui va nous aider là-dedans. Et prends tout ça. On a tout ce qu'il faut pour les déclencher. Oh, une vision. Je savais pas ça. Regarde là-haut. L'arc de Parashurama. J'ai vu la même chose sur la tour. Alors, tout. Parashama, Parashurama. Parashurama. C'est ça. C'était qui déjà? Ok. La sixième incarnation du dieu Vishnu, un guerrier redoutable. Une seconde. Je peux attendre. Ça devrait faire l'affaire. Et clouc. C'est moi qui t'ai. C'est pas toi. Ok. Malo. J'aurais dû prendre mes gants. Je suis bien content d'être enfin sorti de ce trou. Je commençais à croire que le boss était un mytho. Fais gaffe à ce que tu dis. Qui va là? C'est Fraser. Vas-y, bouge. Comment ça me casser les couilles? Plus personne. On va sûrement alerter les autres. On n'y peut rien. Allez. Là, sur la montagne. Voilà les autres. Mais. Merde, mais en plus je pouvais même pas aller l'autre bord. C'est chiant ça, merde. Là, dans la montagne. Voilà les autres.
Gamma, veux-tu qu'elle me couvre? Touche pas. Ok, on a fini. Ah mais deux. Il doit y en avoir d'autres. Il était gros le camion garé devant. Attention où tu mets les pieds. Tu l'as dit. C'est pas le moment de faiblir. Ah, donc t'as de l'humour. J'aurais préféré avoir un coup d'avance sur Asav. On n'y peut pas grand chose. Et l'important, c'est pas de savoir qui commence, mais plutôt qui finit. C'est pas faux. Les hommes d'Assad savent ce qu'ils cherchent. Non, j'ai pas l'impression. T'as vu ça? On dirait un autre robinet. Essayons de monter. Suis-moi! Est-ce que j'ai fait un secret? Ah merde. Je suis mort comme une merde. Je suis pas bon. Bon, il y a lui. Bah, on va y aller discretos. C'est con, hein. Faut que je dégage. Discretos. Un homme à terre ici. On enlève la sécurité de nos flingues. Fouillez le secteur. Thank you.
faudrait que ces deux-là... Ah merde, il y a un sniper. Faudrait qu'ils se dispersent. Je pense que je vais lancer l'assaut. Il y a du monde. Va falloir router ces trois gardes. Faudra les disperser. Les cartes. Rien à voir ici. Et de ton côté? Rien ici non plus. Vérifie ici, allez voir là-bas. Compris. J'aime pas ça. Oh. Oh ma terre, oh ma terre. Regardez partout. Oh yes, ils vont venir. Dispersez-vous et trouvez-les. Oh. C'est moi l'éléphant dans un magasin de porcelaine? Non, mais tu l'as pensé. J'avoue. On continue. Tu moutes les mots de la bouche. Eh ben, on a bien réussi. En plus, même pas un bruit de fusil. À part pour tantôt là, mais... Un pistolet silencieux. Même pas. 15 balles en plus. Comment aller là? Avance, madame. Oups.
il faut passer par où. Mais attends, toi Nadine. Par où faut aller? Je me pose quelques questions. C'est quelqu'un? Ah! Et juste de l'autre côté de cette porte. Il faut qu'on ouvre cette porte. Je vais à la manivelle. Et où la manivelle? Ah, il a beau. Oh, mais je suis caca. C'est le bas. Et voilà. Et voilà. Nickel. Ça devrait le faire. Ta-ta-ta-ta. Et moi, je suis trop habituée, moi. Et dans cet épisode, je sais pas combien de fois je vais mourir. Wouah! Toutes mes excuses. Oh, monsieur. Ouais, ça va. Surtout, comment se passe sans moi? J'aurais pas rêvé mieux. Ah. Ah, te voilà enfin. On t'amuse bien. Ça me rappelle les échelles de singe à l'école. Ça a l'air moins dangereux que la cour de récré de mon école. Ah, on y est presque. Eh mon dieu. Ce que c'est ça? C'est bon, je suis impressionnée. T'es impressionnée? Je suis crevée. Finissons-en. Yeah, yeah, yeah. Ok, je crois que ça va être un arc cette fois. Bien vu. Dum dum dum. Merde. Celui-là est un peu compliqué. L'anneau intérieur fait bouger l'anneau extérieur. Mais c'est méchant. J'ai trouvé. C'est quel pro, c'est moi. Parachouama. Bon, on ouvre le robinet. Oh, 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 et si c'était différent cette fois? Ça pourrait être du feu, je sais pas. Tu te fiches de moi? Alors là, complètement. Eh ben là, complètement. Ça, c'est fait. Autre chute d'eau. Ouais. Ça fait 2 sur 3. Et au Salas sans donner un mal de chien pour planter la défense. Faut dire que la défense est
était le symbole de la domination à Issala. Elle représentait leur prospérité et leur puissance. Un joli trophée pour les Perses. Ouais. Mon père a toujours pensé que la défense représentait quelque chose d'encore plus grand. Attends. Ton père cherchait déjà la défense? C'était devenu une obsession. Il a passé ses jours et ses nuits à la chercher. Il a gaspillé tout notre argent dans des expéditions stériles. Je connais la chanson. Mmh. Et en fin de compte? Je sais pas. Il nous a éloignés, ma mère et moi, et disait qu'on était en danger. Et on est partis en Australie. Et me voilà aujourd'hui, aux abords d'Alebidou. C'est plutôt ironique. Dernier arrêt, le fort incrusté dans cette montagne. Ça doit être celui de la hache. Ouais. Fraser n'est pas vraiment un nom à dire non plus. C'était à ma mère. Eh bien, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va descendre à la voiture. Par le poste. Chut! Laisse-moi faire mon intro de fin. Eh bien, c'est la fin. Lâchez un like si vous aimez le troisième épisode. Et commentez, partagez la vidéo et abonnez-vous. Et c'était Samuel de 145. Bye!